Thierry Arjo, bonjour, vous présentez U-Prince à Angers dans le quintet de mercredi. Le cheval reste sur une sortie sur l'herbe à cran, comment l'avez-vous jugé? Bon, à cran, à 30-50 mètres, c'était une course, il n'y avait pas vraiment de train, donc non, c'est un cheval. Le cheval avait besoin de courir en plus, mais il m'a pas déplu. Il manquait d'une course. Là, mercredi, l'engagement n'est pas forcément idéal. Il doit rendre 25 mètres pour peu de choses. Est-ce que ça peut être préjudiciable pour un très bon classement? Oui, pour la victoire, ça va être dur, mais bon, le cheval peut venir 4-5e. Ça m'étonnerait pas. D'accord. Après, j'espère que c'est une course qui aura du train et puis ça l'arrangera. Oh, logiquement, avec Ursule Dubouffet et Urfé Jalerie, il devrait y avoir un peu de train. Après, il a des meilleurs engagements derrière, donc c'est pour ça qu'il recouvre. Là, c'est pas loin de la maison. Donc, on va essayer de courir à Lyon dans National derrière. D'accord. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qu'on va revoir à son avantage au cours des prochains mois et certainement cet hiver dans les très bonnes épreuves. Oui. Oui, puis le cheval a peut-être encore besoin de courir, mais il devrait bien courir.